Tikana prophétiser na vie. Bisika balinga bazokufa kokufa te. Eloko pomi tata na yo ko poma yote. Eloko pomi mama e ko poma yote. Ya ye. Les jours de chaque chrétien ont tourné. Tu vas savoir que la vie est spirituelle et que la foi est spirituelle. Et tu commences à spiritualiser ta vie. Tu vas commencer à dominer sur cette terre. Même tu l'avais dit, tu l'as dominé. C'est moi qui bats la poitrine, je te le dis. Est-ce que Basimba Kazambe? A partir de l'élo, na commission intouchable. Amen. Na commission bino invisible. Na yoko kotsa yo, na ligne ya batuba isapa makambo ya tenywa. On nous suit partout dans le monde. Nous te bénissons, Seigneur. Alléluia. We love you. Nous t'aimons, Seigneur. Glorify your name.
Éclaire ma destinée. Light me, Lord. Éclaire mon vie, illumine mon sein.
Yeah.
Et sa parole éclaire ta vie. Et sa destinée na yo. Et ta destinée. Et illumine destinée na yo. Que cette parole illumine ta destinée. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Merci Seigneur. Na tondo Yesu. Merci Jésus. Na tondo Yesu. Merci. Na tondo. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Et na yami bino na école de guérison. Et je vous accueille encore en cette école de guérison. Et na yebi ke présence wana eza elongo na bino biso. Et je sais que cette présence est aussi avec vous à la maison. Il faut seulement oser connecter. Tu n'as qu'à te connecter. Moi, je sens sa présence fortement ici. Il n'est pas limité, il est illimité. Il est omniprésent. Il est ici, il est là où tu es. Yamba, écoulement wana. Reçois cet écoulement-là. Yamba, présence na. Reçois sa présence. Yamba, visitation. Reçois sa visitation. Na kombo na Yesu Masi. Au nom de Jésus. Dernièrement, toujours, na thème na biso principal, efficacité de la parole. Solobi sous thème, la parole de Dieu est un feu qui consomme. Place wanande de Sukaki. Et toujours concernant notre thème sur l'efficacité de la parole, dernièrement nous avions parlé d'un point et d'un thème, d'un sous-thème, c'est la parole de Dieu est un feu. Ce matin, tozo koba kuna. Na tongo lelo tozo koba nanzela wana. Tosukaki na numéro 10, point numéro 10. Numéro 11 aujourd'hui, la parole de Dieu c'est un marteau qui brise les rocs. Aujourd'hui numéro 11, tu retala été de loba nanzambe, ezalinde marteau o epanza kama panga. Na linga isa mutu moko azoyo kangai na tongo. J'aimerais dire à quelqu'un qui m'entend ce matin, la parole de Dieu est tellement efficace et sa multitude il peut affecter tout aspect de la vie d'un homme. Parce qu'il est Dieu. Dieu et sa parole sont un. Dieu peut affecter tout aspect de l'homme, de même sa parole. Jérémie 23, 29. N'est-ce pas que mes paroles sont comme un marteau qui brise les rocs? Ce qui aujourd'hui marteau. Si tu prends un marteau. Okopanza, mabanga ezé lokomoko makasi. La pierre, le roc est quelque chose qui est dur. Mais marteau, malgré makasi. Yamabanga, marteau et panzakango et dépiasakango. Malgré la solidité du roc, le marteau peut le détruire, le dépiasser. Et comme si un go poussière. Il peut le rendre en poussière les miettes. Et transformer au koyebate que c'était mabanga roc, mais comme poussière. Tu ne sauras même pas que c'était un moellon, c'était un roc, non. C'est pour dire à ta problème, Nayo, Eza, Makasi, Dengene, Neti, Libanga, Mabanga, Neti, Mabanga, Yebake, Marto, Yaliloba, Eko, Kiko, Panza, Yango, Eko, Koko, Brise, Situation, Wan. Et sache que, quelle que soit l'ampleur, la solidité de ton problème, le marteau de la parole peut briser la situation. Jérémie 23, 29.
Nous allons lire dans le livre de Jérémie, chapitre 23, verset 29. Version d'Arabie, j'ai dit au nom de Jésus. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise les rocs? Encore. Ma parole n'est-elle pas comme un feu qui... Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise les rocs? Comme un marteau qui brise le roc. Comme un marteau qui brise les rocs. La parole de Dieu a zotali sabiso capacité à liloba. La parole de Dieu nous démontre quelle est la capacité de la parole. Alors, ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise les rocs. Le lengue marteau est brisé à roc. Le lengue wana à ta situation yonso eza na vie na yo eza net roc. Le marteau ya liloba zoki o bambi yango na tongo na moi na midi tous les jours zo mama yango liloba zambi. Ozo mama yango promesse liloba. Suka suka eko cede. Situation wana eko cede. Maladie wana eko cede. Oppression wana eko cede. Parce que liloba zambi eza lokola marteau. Soki ozo itize yango zo mama na roc wana na libanga wana eko panzana. Denge wana on peut utiliser la parole de Dieu, la promesse de la parole de Dieu, où il te suit par la révélation et tu penses situation où on a été opprimé. Amen. Tel que le marteau brise le roc, quelle que soit la situation que tu traverses, quelle que soit l'ampleur de ton problème, utilise le marteau de la parole de Dieu et chaque jour sollicite ce marteau et quelle que soit l'ampleur du problème, ce problème aussi sera dépiécé tel le marteau dépiece le roc. Ok, une autre version français courant. Merci. Jérémie chapitre 23, verset 29. Ma parole est comme un feu, comme un puissant marteau qui brise les rochers. Oh, comme un puissant marteau qui brise les rochers. Ma parole est comme un feu, comme un puissant marteau qui brise les rochers. Qui brise les rochers. Yes. Un puissant marteau. So, liloba zambe est comparé na puissant marteau qui brise les rochers. La parole de Dieu est comparée à un puissant marteau. Oui, panza kama banga. Liloba zambe zota isabiso ke. Quand nous appliquons la parole. La parole de Dieu nous démontre que quand nous l'appliquons, ezal lokola marteau moko puissant. C'est comme un marteau puissant. Oye panzaka bama banga. Qui brise les rocs. Maladie wana. Cette maladie là. Et eliminati rocher et kenda kate. Olamuka kanango, olala kanango, olamuka kanango. Je suis ici qui te pour te dire que la parole de Dieu a la capacité de briser cette maladie. Seliba wana ekangamina libota na bino. Mutu abala kate. Oyo kutu a échappé kubala azongi na ndako. Bambi. Eza rocher. Mais promesse ya liloba. Soki toko telema likolo ya ozambia lobi na makomi. Et tozo mama yango, tozo aplike yango, tozo deklare yango, tozo tambola selon promesse ya liloba zambi. Bandeko, eza na nguya ko brise seliba wana. Amen. Quelle que soit cette maladie ou ce célibat qui se dresse devant toi, tel un rocher. Si nous appliquons la parole de Dieu comme on applique le marteau sur le rocher, la parole de Dieu est à même de briser ce rocher qui se tient devant toi. La parole, l'iloba, est un puissant marteau. Vous allez marteau ya nguya qui brise. Oui, panzaka. Les rochers. Abanga. Nasambeli. Situation yonso. Neti libanga na vie na yo na sakoli ezala brisé totalement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui. Version parole de vie.
Jérémie chapitre 23 verset 29. Est-ce que ma parole n'est pas comme un feu? Est-ce qu'elle n'est pas comme un marteau qui casse les rochers? Oh mon Dieu, ma chèque dit là-bas. Est-ce que ma parole n'est pas comme un feu? Est-ce qu'elle n'est pas comme un marteau? Un marteau qui casse les rochers. Yes. Qui casse? Yes. Ils ont cassé, ils ont panza. Yes. N'assembleli à ta problème na yo et oumeli. Et comme une partie intégrale ya vie na yo. O mesani, o yebike, nazana bat moko, a mesani telma, a mesani na basi, songolo, et surtout ya malade. Et comme une partie intégrale ya vie na yo, à chaque moment, passe wane zani, pendant des années, na ye ko yebisa yo, que par ce maître Jésus, nous avons été guéris. Amen. N'a décrété et n'a proclamé yo au kangolami au bikisami. Amen. Parce que l'ilo bayazame, eza marteau ou eza cassé. Situation yons. Amen. Problème yons. Amen. Yayo wana problème. Ton problème là. N'a tindi l'ilo bayazame. J'envoie la parole. N'a brisé yango. Je le na kase yango. Je le casse. Na kombo na Yesu Masih. Amen. Jésus Christ. Amen. Version lingala ya lelo. Merci. Jérémie chapitre 23 verset 29. Maloba langai ezali lokola moto. Ezali lokola marteau oyo epanzaka mabanga. Ngai yawe moto na lobi. Oh mama, ache caché signature na ye. Ache caché signature na ye. Pona ko pesa yo na ngai assurance. Ngai yawe moto na lobi. Ngai yawe moto wana ndeto benga signature. Wana ndeto benga ka So. Wana ngai yawe na lobi. Po pesa yo assurance. Est-ce que vous avez dit ce papa? Version lingala ya lelo, Jérémie chapitre 23, verset 29. Maloba na ngai ezali lokola moto. Ezali lokola marteau. Oyo epanzaka mabanga. Oyo epanzaka mabanga. Epanzaka mabanga. Epanzaka. Problème yon souhaitele mi gui na vina yon neti libanga. Yes. Na panzi ango na kombo na Yesu Masia. Amen. E panza na au nom de Jésus. Amen. E panza na au nom de Jésus. Amen. E panza na au nom de Jésus. Amen. Version Zadokan, verset 29. Est-ce que ma parole ne ressemble pas au feu, dit l'Éternel, et au marteau qui fait voler en éclat les rochers? Oh, ma chadaga. Qui fait voler en éclat. Tango, mbabanga ezo panzana, et cela kanini. Et vola kanini. Et vola kaizo pambumbwa na katia mu pepe. Amen. Koui quelque part. Yes. Ça. Efficacité à l'iloba. Ça nous montre l'efficacité de la parole. Que l'iloba zambé. Que la parole de Dieu. Est un puissant marteau. Est un marteau très qui puissant. Qui peut casser n'importe quel problème. Panzatali kamboya degenin. Lingala ekoloba alobi ngai yawe mutuna lobi. Ngai yawe mutuna lobi. Tanga pona ngai amona kene na point mususu. Alléluia. Ngai yawe mutu na lobi asigné. Jérémie 23 verset 29 version lingala ya lelo. Malobalangai ezali lokola moto. Malobalangai ezali lokola moto. Ezali lokola marteau. Ezali lokola marteau. Oyo epanzaka mabanga. Oyo epanzaka mabanga. Ngai yawe moto na lobi. Ngai yawe abetito longa yawe nazo ashure yo ngai yawe ne na lobi. Eko panza sida na yo. Amen. Eko panza hemorrhoid na yo. Amen. Eko panza fibron na yo tusto. Yes. Toutes sortes. Eko panza paralysie tusto muni ango. Amen. AVC to muni yonso. Rien pese mettre debout devant sa parole. Quand sa parole entre quelque part. Tong le banaye kota ke sika moko. Et effectua ka changement. Bon, moi, ne salé maca. Ezekiel 2, verset 1, lobby.
Dans Ézéchiel 2, verset 1, la parole de Dieu nous dit: quand il me parlait, verset 1 et 2, quand il me parlait, l'esprit entre à moi et me fit tenir debout sur mon pied. Tango azalaki koloba na ngai, molimo akoteli ngai pe atelimisi ngai na makolo na ngai. Nasambeli liloba oyo zoyoka ekotela yo. Amen. E panza yonso. Yes. Ezo chevi na yo malales. Amen. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je prie que cette parole que tu entends pénètre en toi et brise tout ce qui te rend mal à l'aise. À part yake liloba zambe, c'est un marteau qui brise les rocs. Douzième point, la parole de Dieu est puissante. À part que est marteau, puissante. En français courant, n'est-ce pas que mes paroles est un puissant marteau, puissant marteau. Mais nous avons dit que l'iloba zambe est nanguya, est tondi nanguya. Kokiko effectuer changement, transformation na vie à moto. Parce que nguya est un katia liloba. Amen. Parce que zambe attendi na nguya, liloba na epe et tonaki na nguya. J'aimerais vous dire qu'à part que la parole de Dieu est un marteau, sache que la parole de Dieu est toute puissante. Puisque Dieu est tout puissant, sa parole aussi est toute puissante. 1 Corinthiens 2. Ozo brazende bediga bunda ramasuza kande kelemo kosoto poriata yatos. 1 Corinthiens chapitre 2. À partir de verset 4 seulement. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4, version d'Arbi. Et ma parole et ma prédication n'ont pas été en paroles persuasives de sagesse, mais en démonstration de l'esprit et de puissance. Alléluia. La parole de Dieu est puissante. Et ben, je me l'ai lire version parole de vie. Alobi, ma parole et mon enseignement n'avaient rien à voir avec les discours convaincants de la sagesse humaine. Mais c'est la puissance de l'Esprit Saint qui apparaissait clairement dans ce que je disais. C'est-à-dire, la parole de Dieu, c'est la puissance de l'Esprit Saint. Quand tu réfléchis sur la parole, sache-toi à partir d'aujourd'hui que la parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu peut t'amener transformation totale. La parole de Dieu peut résoudre ta problème. En elle réside la vie et la puissance de Dieu. Autant na Luke, ils sont venus des villages environs. Ils sont venus partout pour venir s'asseoir, écouter la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous a dit, la puissance de Dieu était la présence pour les guérir. Pour les guérir. Là où on prêche la parole, la puissance est présente. Là où on prêche la parole de Dieu, la puissance de Dieu est présente. Comme je prêche maintenant, la puissance de Dieu est présente là où vous êtes. Yango, tu peux se connecter avec ton cœur, avec ta foi, et tu vas expérimenter la main de Dieu. Dieu et sa parole sont un. Une autre version. Version Lingala Monde Nouveau. Mansou Brajeke. Pe elobeli nangai pe makambo oyo na sakolaki ezalaki na maloba ya kondimisa ya bwania kasi ezalaki te na maloba ya kondimisa ya bwania. Amen. Bandela. Pe elobeli na ngai, pe makambo oyo ngai na sakolaki, ezalaki te na maloba ya kondimisa ya bwania. Yes.
kasi na misala oyo ezalaki komonisa elimo penguya na lingo tanga yango lisusu lingala mon nouveau 1 Corinthiens chapitre 2 verset 4 pe elobeli na ngai voilà pe makambo oyo ngai na sakolaki ezalaki te na maloba ya kondimisa ya bwania kasi na misala oyo ezalaki komonisa elimo pe nguya na musala oyo ezalaki komonisa elimo pe nguya bisika nyonso bazote ya sango malamu liloba zambe en vérité en vérité en purité la puissance de Dieu est présente et si kanyoso bazote ya sangwelamu na solo na bosantu nguya na nzambe ezali wana Jesus la yes ce qui va chez monsieur ezali sikite so bien aimé olingami yeba yango biskoza lyozo yokanga sache le de partout tu es tu m'entends la parole de Dieu est plein de puissance le bana nzambe tonda nguya Luke chapitre 5 Luke 5 toujours, la parole de Dieu est puissante. Luke 5, verset 15 à 17. Luke chapitre 5, verset 15 à 17. Je lis au nom de Jésus la version Darby. Et sa renommée se répandait de plus en plus. Et de grandes foules s'assemblèrent pour l'entendre et pour être guéries de leur infirmité. 16. Mais lui se tenait retiré dans le désert et priait. 17. Et il arriva l'un de ces jours qu'il enseignait, et des pharisiens et des docteurs de la loi qui étaient venus de chaque bourgade de Jérusalem étaient assis là. Et la puissance du Seigneur était là pour les guérir. La puissance du Seigneur était là pour les guérir. On prêche la parole. Ils sont venus écouter, mais la puissance de Dieu était là pour les guérir. Encore, une autre version. Version Lingala, mon nouveau, Luc chapitre 5, verset 15 à 17. Kasi sangonaye, ezalaki seko palangana. Pe ebele abato, bazalaki koyangana, bona koyoka, pe kobikisama na ba maladi na bango. Verset 16. Nzokande atikalaki yemoko na esobe, pe azalaki kobondela. 17. Na mikolo yango, mokolo moko azalaki koteya pe ba farizai na bateya mibeko oyo bautaki na mboka nyonso ya Galile na Yudea na Yerusalem bafandaki wana pe nguya ya Yehova ezalaki wana po ye abikisa hey, nguya ya Yehova ezalaki wana po asala nini po ye abikisa denge na zos teya bino na minito yo que je vous enseigne maintenant. Malgré que nous sommes en confinement, mais Dieu n'est pas confiné. Zambé a zopi qui s'abattuna toutes sortes de maladies. Nguya Zambé, délivrance de Salim, à travers des écrans. Même dans la minute, dans Nguya Zambé, Zé Longonayo, Plaswana. Et dans le symbole, ma boko nangaye, na libéré Nguya Molimo Monsanto. Et envahir yo, et envelopper yo, et na décrété guérison na yo, na décrété délivrance na yo, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et la puissance de Dieu t'enveloppe et je décrète ta guérison, ta délivrance au nom de Jésus. Version parole vivante. Okay. Luc chapitre 5 verset 15. La réputation de Jésus se répandait de plus en plus. Oui. Partout on parlait de lui. Les gens affluaient en masse pour l'entendre et pour se faire guérir de leur maladie. 16. Mais lui s'est retiré dans un endroit solitaire pour prier. 17. Un jour, il était entré d'enseigner. Il était en train de faire comment? D'enseigner. Enseigner, ça veut dire quoi? Prêcher la parole. Amen. Ok. Un jour, il était entré d'enseigner. Des pharisiens et des docteurs de la loi se mêlèrent à l'auditoire. Ils étaient venus de tout le village de la Galilée et de la Judée ainsi que de Jérusalem. La puissance du Seigneur
reposé sur Jésus et s'est manifesté par des guérisons. Oh, ma souba dagaya tagabaya. Et s'est manifesté par des guérisons. Voici une parole de vie à l'obi. La puissance du Seigneur Dieu est avec Jésus pour qu'il guérisse des maladies. Tango bandi kote ya évangile. Quand il a commencé à prêcher l'évangile, dans la parole de Dieu, Nzambe, réside sa puissance à 100%. Evandi na mobimba. Dieu est esprit. Zamba za sa parole est esprit. Lobana epe za molimo. Dieu donne la vie, Dieu est la vie. Sa parole donne la vie, sa parole est la vie. Zamba za bomoi, Nzamba pesa kabomoi. Dieu est puissant. Nzamba za sa parole est puissant. Lobana epe tonda nguya. Amen. Makoshi ke pelege no so pronika palatasos. Hallelujah. Bien-aimé, Olingami, Yevake Moko, ya karastarisikla iluba. Iluba Zambe et Tondinanguya. Sache que l'une des caractéristiques de la parole de Dieu, elle est pleine de puissance. Et avec cette puissance, la parole de Dieu peut opérer toutes sortes de miracles, toutes sortes d'interventions divines dans ta vie. Nanguya wana ilo bananzamba kosala makambo ya ndenge na ndenge na bomoi na yo. Si la parole d'un président peut te faire s'asseoir chez toi à la maison parce que ba déclaré couvre-feu à plus fort raison liloba ya zambe et kosala makambo na vie na yo. Ce qui liloba ya mokambi ekolo ko vandisa yo na ndako yeba ke liloba na nzambe ko kosala koleka na bomoi na yo. Ce que vous vendez, ça y est, n'anda ko, et vous vendez sa maladie, on a libéré, libéré, écoutez les samoutoute. Amen. Et vous vendez sa célibat na vie, na yo libéré, libéré, abako mona angoli susté. Amen. Et vous vendez sa bobola, na vie na yo, la parole de Dieu est tellement puissant. Le bananzambe azana nguya mingi. Voilà l'efficacité de la parole. La parole de Dieu est efficace. Alobi, l'a dit, tout ce qui nous lie ici est lié là-bas. Et tout ce qui nous délie ici est délié là-bas. Voilà comme tu as kokiko loba, soleil na kangi au téléma, soleil payé à téléma. Voilà pourquoi un homme comme toi, comme moi, pouvait se tenir et ordonner au soleil d'arrêter sa course et le soleil. Voilà pourquoi Moutoua Koloba, Mboula, n'a kangi yo 3 ans et demi et Mboula pe atosi. Voilà pourquoi un être humain comme toi et moi pouvait ordonner à la pluie de ne pas tomber durant plus de 3 ans. Na minute oyo et loko yo se zo opprimé, destiné na yo, eza la maladie, eza la célibat, na kangi yango an otage libela na libela au nom de Jésus. Amen. Et j'arrête tout ce qui opprime ta maladie, tout ce qui opprime ta vie, ta destinée, je l'arrête au nom de Jésus. Ce que tangi vation moussous ya Matthieu 18:18, que yon soto kangi awa e kangami, oh mais. Alobi mususu alobi, tout ce qui vous interdit yango, non. Télémana. Tout ce que tu interdis ici, qui va interdire toi? Na sepeli na lingala alobi. Oyo yon so yo kokanga awa na se zambe pe. Sote zambe pe akokanga likolo sita soki yo kangite zambe akokangate oyo nyoso yoko okofungola awa na se zambe pe akofungola. So zambe azozela yo kanga po akanga makambo zambe azozela yo ofungula po oh, mashaba de kelima kulata. Amen. Dieu attend que toi tu interdises pour que lui l'interdise. Dieu attend que toi tu puisses agréer quelque chose afin que lui aussi puisse l'agréer. Matthieu 18, totanga bavation wana yesu. Matthieu chapitre 18, verset 18. Nous lisons la version Lingala Mokanda na Bomoi. Nalobi na bino ya solo.
makambo nyonso oyo bino bokokanga awa na se ekokanga mape na likolo pe nyonso bino bokofungola awa na se ekofungwa mape na likolo. Alléluia. Amen. Okolobasion version wana mpona ngai alingala alobaki yango bien nyonso okangi awa zambe pe soki okangi eloko te zambe akokanga eloko te. Si tu n'arrêtes rien, Dieu n'arrêtera rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Version Lingala ya lelo. Merci. Matthieu chapitre 18 verset 18. Nalobi na bino ya solo. Makambo nyonso bino bokokanga awa na se. Nzambe pe akokanga yango na likolo. Makambo nyonso bino bokozala nini? Bokokanga awa na se. Oui. Nzambe pe akokanga yango na likolo. Nakangi seliba na vina yo. Amen. Bala kate na prononcer le lo ozo bala. Amen. Na lobe na kangi seliba na vina yo. Amen. Na kangi maladi na vina yo. Na kombo na Yesu Masia. Amen. Eloko yonso ezo yokisa yo suni. Nzoni na kangi anko anotage au nom de Jésus Christ de Nazareth. Amen. J'arrête tout ce qui t'amène la honte, tout ce qui te met sous l'opprobre, je l'arrête au nom de Jésus. C'est moi lobe, vraiment je vous l'assure. Tout ce que vous interdirez sur la terre sera interdit aux yeux de Dieu. Et tout ce que vous autorisez sur la terre sera autorisé aux yeux de Dieu. Amen. Ce qui détermine et loko ekokobela ye yo nanga. Uzomuna. Nguya za parole ya zambe ezana nguya. La parole de Dieu est puissante. Yes. Version parole de vie, Matthieu 18, verset 18. Oui. Je vous l'ai dit, c'est la vérité. Tout ce que vous refuserez sur la terre, on le refusera dans le ciel. Tout ce que vous refuserez, on le refusera wapi? Dans le ciel. Nanya ko refuser yo. Il va refuser, c'est maman. Toi. Boya et lokoana. Refuse cela. Boya maladie wana. Refuse cette maladie. Refusez ango. Refusez ango. Refusez célibat wana. Refusez situation wana. Oyo mutute abimisa mutu na libota na bino mutu mokote. Batu yo suterate. Refusez yango. Et loko yo boyi zambe pe aboyi. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu. La balle est dans ton camp. Yes. Parce qu'il a tout fait. Il est écrit dans sa parole. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Version message Matthieu chapitre 18 verset 18. Prenez ceci au plus sérieux. Un oui sur la terre. Yoka. Et prenez ceci au plus sérieux. Parce que ta vie en dépend. Un oui sur la terre. Un oui sur la terre. Un oui dans les cieux. Oh, pas la katapaya tekebe. Un oui sur la terre. Un oui dans les cieux. Oh, Jesus. Un non sur la terre. Un non dans les cieux. Nani akoloba non à certaines choses. Yo. Ce que mon est loco ma beau ligne en goutte lobby, non, 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 je refuse. Na boyi yo, liwa, is a partage na ngaite, ngai na kokufa na bazaite, minimum is a 70 ans, et maximum 120 au delà. Yes, quitte mes foi fait, qui me soit fait selon ma foi, ngai na ndimi, na zo katsa, tina 120 ans, au delà de 120 ans, bat mako ba sambeli ngai pona. L'anniversaire au moni batuba lingi au mingi à l'obi papa zambé à l'obi 120 au mena zambé li au sala 1000 ans. Ah amen. Na yami ango bébé wana eza miracle extra 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 ordinaire ngonga ya bame tout cela eza li zouté ndeko. Mais merci parce que balinginga mingi mais nazo vivre zo mona ningi nazo rajene mu kolonyoso so prier na bangwezo sa ezo sala musala boko ba kusamela pona ngai. Amen. Alleluia. Liwa ezate liwa ezate mwana nga loti ndoto moko ya bangisi mais na kati ya ndoto wana balobi na kuviti na kuviti. Après na lamuki
na vandi alubi nazo comprend interprétation ngote je ne peux pas mutu obandi ko lela bala moko monike alamuki bobandi ko sauter c'est bozo lela singolisu c'est pour dire na ngo mukolo ya anniversaire na ngai c'est-à-dire 55 ans passé et longwe nazo bala onction frère ipakolami ya sika yes et ce que moni depuis anniversaire na ngai na koti na dimension mususu amen amen Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, ma kamba kala et leka. Parce que mon a ressuscité. Tant que Jésus a ressuscité, a koufi na ba faiblesse, na ba maladie a battu. Mais tant que a resté na kembo na gloire. Amen. O shabudi kapalatozo, so prodia. C'est ça la révélation. Wanande c'est ça l'interprétation. Wanande ndimbola ya ndoto wana. Oh, un oui sur la terre et oui au ciel. Et non, non sur la terre et non au ciel. Yes. Iyo na mokili awa, ezali iyo na likolo na lola. Et ce qui peut le bité awa na se, ezali pekaka te kuna likolo. Je te joins pour dire non à cette situation. Au nom de Jésus. La parole de Dieu est tellement puissante. La parole de Dieu est tellement puissante. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit il te sera fait selon que tu as cru. Tu dis oui, ce sera fait. Et tu dis non, ça n'arrivera pas. Est-ce que c'est normal ça? Ma casse. C'est pas seulement look, pas seulement aspect, mais na ma casse. Alléluia. Amen. Parce que la parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu a la capacité de te faire agir. Nous avons partagé mon cœur à ma papa, pas grand, pas bêta. Côté ambassadeur, côté médecin, docteur, côté médecin, monsieur, docteur, ambassadeur Espagne, pas bêta na terrain. Après, na mundingi azo bandage, azo tché na genou, neti azo tché ezui ata 20 minutes. Alors, tu es bandage, après, tu es genoué. Après, tu es genoué, tu es genoué. Tu es genoué. Tu es genoué. Tu es genoué. Papa, j'aimerais te dire que j'étais comme ça quelques années passées. Mais par la grâce de Dieu, je n'utilise plus. Tu n'as pas témoin. Je suis en train de me faire. Okay. Je saute la petite enfant. Dieu est bon. Zambazamalam. Alléluia. Amen. Un oui sous la terre. Iyo. Et un oui au ciel. Un non sous la terre. Te na mokili. Et un non au ciel. Voilà. Alléluia. Amen. Prenez-moi. Je pense que tu es béni. Je viens te dire la parole de Dieu de est puissante. Elle peut changer ta vie. Elle peut changer statut. Elle peut changer ton statut. Elle peut changer histoire. Elle peut changer toute l'histoire de ta vie. Merveille. Le peuple te voit et tu deviens une merveille aux yeux du monde. Pas aucun moi. Il s'étonne. Yango somme, somiste, mutu a somme. Le psalmiste. Le psalmiste a lobi. Il a dit. Ouvre mes yeux. Voilà mes sonangai. Afin que. Poète. Je vois. Na mona. Les merveilles. Na kambwe kitoko. Dans ta loi. Na mobeko na yo. Et ça le sang bonangai s'est joué. C'est ma prière ces derniers temps. Fumulanga mis. Ouvre mes yeux. Aujourd'hui, na yusi maman nazo. Ce qui n'a changé go na ye. Tango nazo ya na yusi maman nabi. Tu sais quoi? Dès qu'il a c'est cute. Oh yo ya école de guérison. Nazo zongana ya kolala. Na lalite, j'ai fait que louer, adorer Dieu nazo lela.
nazole la tellement que na monique na comme ko déranger après na bibine en chambre nazole la nazo adoré jusqu'au matin. Je fondais en larmes en adorant Dieu jusqu'au petit matin. Je l'adore. Nazo komi ça y est. Zemwana elobiki akfuti factu nangai. C'est quand il disait qu'il a payé le prix pour moi. Batu amukili bazo futa factu na bongo meye tellement que a lingingai a cause ya bolingo na eponangai a futi factu nangai na makila na ye. Dans le monde, on paye la facture avec l'argent, mais lui l'a réglé ma facture par son sang. Nazo médité sur cette chanson et j'ai pleuré. J'ai commencé à louer. Merci pour ton amour envers moi. Tu es allé à la croix. Tu es allé à la croix. Tu as réglé ma facture. Pas en partie, mais complètement. Par ton sang. Tu as signé un chèque pour ma libération. Pour ma libération. Par ton sang. Oh, quel amour. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Molingami. La parole de Dieu. À la capacité de transformer votre destinée. Daddy, listen you, Jesus. Daddy, listen you. Daddy, listen you, Jesus. Dabi, listen you. Dabi, 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 listen you, Jesus. Dabi, listen you. Thank you, Jesus. J'aimerais te dire quelque chose, bien-aimé. Ta facture, c'est sa tête. Il a tout réglé par son sang. Il a signé ton chèque à la croix avec son sang. Partout où tu me suis maintenant, tu peux l'inviter dans ton cœur, dans ta maison, dans ton salon. Il va se manifester. Il va te toucher. Il va te guérir. Il est omniprésent. Il est omniprésent. Il peut te toucher maintenant. Light my life, light my destiny, light me Lord, light me Lord, light my life, light my destiny, light me Lord, light me Lord. Light my life, light my destiny, light me Lord, light me Lord, light my life, light my destiny, light me Lord, light me Lord, light my life, light my destiny, light me Lord, light me Lord, light my life.
Yeah.
Chapitre 20, verset 32. Je te recommande à la parole de Dieu qui a la puissance de vous bâtir et de vous donner un héritage. Jamba, reçois. La puissance de la parole de Dieu. Même en cet instant, tu te sens mal dans ton corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui qui était allé à la croix et signé à la croix par son sang. Liberté na yo na liberté na ngai. Ma liberté, ta liberté. Na proclamé aujourd'hui. Aujourd'hui je proclame. Quelle que soit ta maladie. Atako boko na yo kombo na yango nini. Je te proclame guéri au nom de Jésus. Ngai na tato lipe na sakoli et proclame libéré au nom de Jésus. Okango lami. Quelle que soit cette oppression. Atako monio kongo za lolenge nini. Ozawana ya yo eza femme de nuit, mari de nuit. Moi si ton mobile ya butu, c'est ça y a eu problème. Wanande likambo ezotungisa yo. Okangolami au nom de Jésus. Tu en es délivré au nom de Jésus. Mari de nuit wana na pameli activité wana oppression wana de mari de nuit de femme de nuit. Je bannis cette oppression de mari et femme de nuit. Uzawana yo yon somivale. Tu as les deux, tu vis cette expérience.
Et à la fin des nuits, même des nuits, mais vous allez vivre tous les deux. C'est une oppression diabolique. Moi aussi, Yaboutou, Mobali Yaboutou, Yo Bangonion Sobaya. Vous allez me retrouver aux Sanganzoto, Naseya Pongi. Tu te retrouves en plein débat sexuel durant ton sommeil. Ça, c'est pas normal. Et à l'inormalité. Ça, c'est anormal. Il n'y a aucun place. Ni le Bazambi à l'obi, et à la Bongo à l'obi. Moi, si, n'a mon balai. Nulle part, la parole de Dieu a dit que ce soit ainsi. C'est l'homme et la femme, et en plein jour, durant qu'ils sont. Voilà pourquoi toute alliance qui te connecte avec cette oppression et cataner les lots au nom de Jésus. Toute alliance qui te lie avec pareille oppression est brisée au nom de Jésus. Je déclare, tu es guéri, tu es délivré. Dans cette école de guérison, reçois ta guérison. Reçois ta délivrance. Et sobro zagatu baskali amarobo koshike deke deke. Et katuba kasante keli babuz talama suza pranik luza pando koria tapalakatos. Yes. Passion so elimwa. Que toute douleur disparaisse. Ezalana mutu. Soit à la tête. Ezalana niveau ya mutema. Au niveau du cœur. Passion so. Toute douleur. Commandiango et disparaître au nom de Jésus. Je leur donne de disparaître au nom de Jésus. Rhumatisme disparaître au nom de Jésus. Rhumatisme ngalamatis limwa na kombo na Yesu. Bikisamina maladie wana rhumatisme. Tu es guéri de cette maladie au nom de Jésus Christ de Nazareth. Na kombo na Yesu. Hémorroïde na moni obikisamina hémorroïde wana. Je te vois, tu es guéri de cette hémorroïde au nom de Jésus Christ de Nazareth. Na kombo na Yesu Christ na Nazareth. Na tanga yo tena tanga yango na déclaré obikisami okangolami. Que ton cas soit cité ou non, je déclare, tu es guéri et délivré. Ozana passe na niveau ya misabe. Tu sens une douleur au niveau de tes doigts. Ezaneti makilezo kulete ezokangama. C'est comme si la coagulation de sang, le sang ne coule plus normalement. Kangolami opikisami au nom de Jésus. Tu es guéri et délivré au nom de Jésus. Na kombo na Yesu Masia. Au nom de Jésus Christ. Na pameli nersiatique. Je bannis cette inflammation du nerf sciatique. Nerf sciatique. Obikisami okangolami. Tu es guéri et délivré. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Toute inflammation. Inflammation nyonso. Disparaître. Élimo. Okangolami obikisami. Tu es guéri et délivré. Simba loboko wana comme point de contact. Pose ta main sur ma main pour imposer en gona bisika nyonso linga. Et tu vas imposer partout où tu veux. Et na ifsi onguya zambe zo traverser. Et je vous conjure que la puissance de Dieu vous traverse. Oh yes. Dengezo simba na écran. Dès que tu poses la main à l'écran, je libère la puissance de Dieu. Qu'elle pénètre en toi. Soyez guéri au nom de Jésus. Soyez délivré au nom de Jésus. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Merci pour la guérison. Merci pour la délivrance. Merci pour ta présence dans cette école de guérison. Merci, merci. Toute la gloire revient à toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Merci, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus-Christ. Light me, Lord. Light my destiny. Light me, Lord. Light me, Lord. Light my life. Light my destiny. Light me, Lord. Light me, Lord. Light me, Lord. Yeah. Light my life. Oh, yeah. Light my destiny. Light me, Lord. Light me, Lord. Light me, Lord. Light my life. Light my destiny. Light me, Lord. Heal me, Lord. Heal me, Lord. Heal me, Lord. Heal my life.
Nishadabadu, Nishadabadu, Zala connecté tout le temps. Sois connecté. Chaque mercredi à 10h. Mercredi Nyonson à 10h. Chaque vendredi. Vendredi Nyonson. À 17h. À 17h. Et chaque dimanche. Et dimanche. À 7h. À 7h. Et je crois bientôt. Nous serons ensemble. Que mon Dieu vous bénisse. Je vous aime de tout mon cœur. Ciao. À la prochaine. Merci. Alléluia. Le temps de témoignage. Pétela Yesu Maboko Makasi. Bonjour papa. C'est la sœur Clara Mavungu. Département évangélisation. Papa, nazo témoigner mon ensemble na yo asay na vie na nga. Na culte na biso ya mercredi école de guérison le 10 juin vers 5h na fongoli télévision na di kolanda la prière comme habitude. Ti te prédication e ko banda na di kolanda. Vraiment papa na za ki connecté ma kasi ozo parler sur l'efficacité de la parole de Dieu. Et papa tozaki vraiment wana pour na kolanda maté wana ezo sunga biso ezo fortifier biso en plus et loba ke lo komoko Josué a telemisa ki moi nanzela maloba et oyo loba lisusu Eli a telemisi mbula nanzela parole et olobi ke parole eza epesa kabo moi opesaki biso Jean 1:4 olobi en elle était la vie en elle réside la vie et olobi saki biso lisusu na Jean 6 le verset 63 olobi maloba na nzambe eza wana pona ko vivifier biso après ko loba parole de connaissance olobi nazomona mutu mutema ezo swa lokola pilipili et naki nazaki emporté déjà na molimo na ndenge na koyaki na passé na délivrance na ndako papa na yo kaka sango ke bato bazota la télévision pe a passé délivrance malgré naza servante d'évangélisation mais nanu na mona makamba boete mais yo samila nga moko tozota la toujours landa prédication et na moment adoration tango tienzi mbwana vraiment papa na passé na délivrance moko même na famille abazo ba eza catastrophe nazo kota ti kota ba singa courant et vraiment je suis totalement guéri nanzela maté a ozote ya biso papa na kangola mi totalement douleur na ndoyo kan estomac eza lisusuté pe en plus je suis vraiment délivré na ba makambu na lobby na sa délivrance vraiment nzambe no aselinga makamba minene papa nzamba pambola yo amemo musika pona nga tu es vraiment utile na komona ka otangu nyoso papa longue vie nzamba batela yo nzamba pambola tombolo suko leka papa donc kozana yo komona yo papa nanga ndeza libération nanga papa donc nanzimi nzambe la yo libela libela na vie nanga pour makamu nzamba sali na confinement o na vie nanga et lekeli vanga moko pe lekeli famille nanga papa nzamba pambola yo pe tangu no tangu na ba 2 jours na lamuki nazo méditer na méditer na Isaïe 60 bibeso ebisanga Clara lève-toi sois éclairé car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève alors même l'obscurité couvre la terre mais sur toi Clara l'Éternel s'élève na raisonner la délivrance nanga ya ton moi je dis zora nzamba zala ki na besoin nanga na je dis oh ya lelo ki akosela nga na tongo vraiment papa nzambe na yo aza na bon mon nzambe lo akosaka te aselinga ba grande chose ya ngona pesi yo merci papa merci beaucoup nzamba pambola yo na kombo na Yesu masi Pétela Yesu Maboko Makasi. Tikana prophétiser na vie na. Nasakola na toyi. Bista balinga bazo kufa ko kufa te. Eloko epomi tata na yo ko poma yote. Eloko epomi mama ko poma yote. Ya ye. Que la vie est spirituelle.
que la foi est spirituelle. Et tu commences à spiritualiser ta vie. Tu vas commencer à dominer sous cette terre. C'est moi qui bat la poitrine, je te le dis. Est-ce que Basimba Kazambe a parti à l'élo na commission intouchable? Amen. Na commission bino invisible. Na yoko kosa yo na linie ya batu ba isapa makambo ya tenye wana.